Le patineur artistique Casa Denitan est donc mort jeudi 19 juillet 2018, à 25 ans, des suites d'une agression à coups de couteau, a annoncé à l'AFP le ministère Casa de la Culture et des Sports. Il avait brillé lors des Jeux de Sochi, il y a 4 ans. À lire aussi François Corbier, Club Dorothée, est mort à l'âge de 73 ans. Mort de Richard Swift, de Black Kay, à l'âge de 41 ans. Michel de Bourbon-Parme, l'adieu prince soldat, mort à 92 ans. Le service de presse du ministère Casa de la Culture et des Sports a indiqué à l'AFP que le patineur était décédé dans un hôpital d'Almaty, Sud, où il a été reçu alors qu'il avait déjà perdu 3 litres de sang. Malheureusement, Denitan est décédé. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, avait auparavant déclaré le ministère à l'agence de presse Russia Novosti. Selon le site internet Vesti KZ, Denitan a été agressé par des inconnus qui lui ont donné plusieurs coups de couteau, notamment à la cuisse droite. Il était reçu à l'hôpital, alors qu'il se trouvait déjà dans un état critique, selon la même source. La police d'Almaty a indiqué être à la recherche de 2 hommes non identifiés, qui tentaient de voler les rétroviseurs de son automobile, selon Ryan Novosti. Denitan, médaillé d'argent au championnat du monde en 2013, de bronze aux Jeux 2014 de Sochi, et encore de bronze au championnat du monde de 2015, était très populaire au Kazakhstan. D'origine coréenne, il était l'arrière-arrière-petit-fils du général coréen Min Kyung-ho, qui avait combattu contre l'occupant japonais au début du XXe siècle, souligne l'AFP. À l'annonce de sa mort, les réactions n'ont pas tardé. Quel cauchemar! Quelle tragédie, a commenté la russe Tatiana Tarasova, l'une des entraîneuses les plus renommées au monde, qui fut son coach à la fin des années 2000. Mon ami patineur est mort aujourd'hui. Il était tellement gentil avec tout le monde, et c'était une grande source d'inspiration pour moi et pour tant d'autres. Assassiné dans les rues du Kazakhstan. Denis, merci de nous avoir montré comment être un champion. Le temps que tu as passé avec nous a été trop court. On t'aime pour toujours, a commenté le patineur américain Adam Rippon.